fucking nightmare. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Dark Psycho. Salut à toi Dark Psycho. Salut. Et oui mon frérot, on est là pour ce choc de Ligue 1, donc à Saint-Etienne, derby. Olympique Lyonnais, oui un derby. J'espère que c'est un beau match. Hein. On va essayer hein, tout au moins. Tout à fait. Allez, c'est à Old Trafford, un stade de merde. Bonjour, ah, pardon. Derby, un vrai. Donc l'entrée des joueurs, on va appuyer, on s'en fout un peu. Hein. On est concentré dans ce gros match. Ça annonce palpitant. Allez, un chaud patate. C'est parti. Le coup d'envoi. C'est un abonné d'ailleurs qui m'avait demandé de faire un match. Donc, je l'ai lancé. Il voulait voir Saint-Etienne. Bon, ça fait un long temps. Je crois que ça fait un peu un mois à peu près qu'il m'avait posé cette question. Je l'avais pas répondu. Bah, finalement, je la pose maintenant. Là qu'on a un problème de réglage de système déjà pour la deuxième manette, ça commence bien. J'ai le Olympique Lyonnais, commence à tricher, ça commence. Comment on montre comment on fait pour ceux qui n'ont pas acheté l'ES, qui croient qu'on peut jouer au stick dans leur map. Ouais mais ça on savait pas au début. Allez, oh là 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 là. Allez le moine là, voilà, bon pressing. Allez Bameyang, voilà, mais c'est quoi cette vitesse? La frappe de loin, ouh. Ah il a failli comme il dit, faut pas déconner non plus hein. Faut tenter, parfois ça peut rentrer. Ouais. Putain j'ai oublié d'enlever les commentaires débiles. C'est Darren Tulette et Margoton, je crois que c'est ça. Non pas Margoton, comment il s'appelle le gars? Il doit voir Margoton. Oui, Margoton, Margoton ouais, c'est bien ça. Ouais. Les commentaires complètement naze. Moi je déteste hein, personnellement. Au début j'aimais bien Darren Tulette mais à force de critiquer il m'a saoulé. Allez Nicoletta, le pressing savoyard. Allez, l'ouverture magnifique pour Saint-Etienne. Je vais m'embrouiller un petit peu avec Nicoletta. Nicoletta sur son côté, va centrer du pied gauche. Là, 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 là c'est dégagé. La contre-attaque lyonnaise avec Lisandro Lopez dans le grand pont peut-être. Ouais, mais le grand pont il a pas fait long ce mec. Hein. Allez, Coad, ancien Racing Man. Coad, il va frapper de loin. Ouh, quel arrêt de Vercoutre. Et parce que Lloris est parti à Tottenham. Oh là le grand pont là, Lisandro pas fait exprès, en plus on sent une passe en même temps. Gomis. J'ai pas le fauché le petit Gomis, ah, la passe en retrait, le centre, oulala. Là, là, là. Bon attention à Gonamon qui a une frappe monumentale. Ah, direct sur les tribunes. Quelle frappe. Ah, ah le tir. Ah le tir est trop fort hein, là. Oula, moi je joue avec le feu. Allez Goulam. Hop là. C'est bien joué ça. Ça a fonctionné parfaitement. Encore Nicoletta sur son côté, va centrer. À tête. Ah, mais tête c'est une catastrophe dans ce jeu. J'arrive, j'ai vraiment du mal à mettre une tête précise. C'est la galère. C'est normal. C'est un réveillère. Un peu bugué on a vu. Gonalon maintenant. Gourcuff. Allez Gourcuff. Grenier. Sur Lisandro. Ah putain la frappe. Oh putain la main. Oh la main la but t'as pas vu. Voilà. Y'a quoi là? Coup franc d'accord. J'ai rien vu. Donc y'a eu coup franc. On va revoir ça vite fait là. Oh limite hein. Mais bon Ruffier va pouvoir se dégager. Hop là. Ah putain. Joshua Guilavogui. Quad. T'as joué ça, le moine. Aubameyang. Allez Aubameyang. Pour Quad. Quad, tu vas frapper du pied droit. Ouh là 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 là. Quel arrêt. On voit ça vite fait au ralenti. Et moi ça c'est une superbe passivité défensive olympique lyonnaise. Et voilà. Mais l'arrêt. Ouais, corner d'un attaquant, hein, c'est rare pour le signaler. On va essayer, on s'en fout. Ouh, t'es bien tiré en plus, mais malheureusement, il n'y avait personne. Oula, attention là.
Je suis troué complètement. Ah, il y a frappe de Lopez. Et l'enveloppé là. Ah là là. Aïe aïe aïe. Il a raté ta casette. Il n'a pas de chance pour l'instant. Et ouais. Oh la relance du. La relance. Putain, la relance ratée. La frappe de Gomez. L'ancien Stéphanois qui a fait marquer. Frappe monumentale. On s'en fout. Dans ça, petite remarque à faire, Ruffy s'est laissé pousser les cheveux. Eh oui, incroyable. Je sais pas comment il a fait, mais bon. Je sais pas si dans FIFA c'est pareil d'ailleurs, ils lui ont mis chauve ou avec des cheveux. J'ai pas fait gaffe, ok. Oh la frappe! Oh la quelle frappe de Grenier! Manque de puissance. Et la rance de Ruffy, cette fois-ci, limite. C'est moyen. Et Coletta, oh là 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 là. Touche donc a été effectuée. Ça passe magnifiquement. Goulam. Qui perd encore ce ballon, il dormait là. Gaochi. Goulam, c'est magnifique pour Nicoletta, encore Nicoletta, toujours espacé, tranquille sur son côté, il va se mettre son pied de gauche, je crois, à la tête. Oh là 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 là. Encore un raté de l'attaque stéphanoise aussi. Papa, 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 il l'a vu tout fait là, celle-là, mais il l'a loupé. Un très bon centre de Goulam. Papa, 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 papa. Ah, j'avoue, c'était complètement loupé. Hein. Il a mal prise. Juste sur son côté front. Attention avec le contre. Allez, Gigavogi, je sais pas comment on dit. Avec Quad. Quad, il est tout en forme, Quad. Il a vu partir dans l'axe, c'est pas hors-jeu. On va faire goal, la faute. L'attentat, oh là, ça sort le carton rouge là. Eh oui, carton rouge pour la Piconnet. Voilà, ça va faire mal là au Lyonnais. Oh là, carton rouge. C'est logique parce que. Il est très bien, c'est. Et oui, Aubameyang qui partait tout seul, a fauché un littéralement. Super tac de réveillard, mais l'arbitre. Wow, super tac. Un carton rouge, un et qui froid. Tient les coups froids, ça t'étienne. C'est Renaud Coad. Pour moi d'ailleurs, on va tirer où Allez, un petit Coad. Allez, pleine lucarne, hein, on l'espère. Comme je suis des fois un bon petit tireur de coups francs. Oh, dévié. Oh là 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 là. Encore une belle occasion, cette fois-ci, Gradel, mais bon. Regarde-moi ça, voilà, et la caméra exceptionnelle, hein. Oh, wow. Il y aura un changement tactique. Magnifique. Changement tactique parce qu'il y a un peu un trou à droite là. Donc ici, il passera à gauche et Dabo passera à droite. Et bon, il jouera tout seul derrière. Oh là là. Un trou dans la défense. On va y avancer pour des autres changements techniques. Grenier. Grenier qui est en train de l'emballer le match à lui tout seul. Ah mais Grenier il en fait largement trop. Oh là là le contre. Aubameyang il est tout fou Aubameyang. Ah là 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 j'ai loupé l'ouverture là. Catastrophe. Dabo. Dabo il est en train d'accélérer. Sandro. Ah mais Sandro hein. Il y a pas hors jeu là. Regardez les hors-jeux. Gradel est pour jeu. Gradel face au gardien. Face au gardien. Gradel, le but. Le but de Gradel. Go. La 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 la. Et voilà l'ouverture du score. Elle est là. Elle est stéphanoise. Ce but de Gradel. Superbe but hein, quand même. Regardez-moi ça. Et la limite du hors-jeu. Il se propose devant le gardien vers Coutre. Et voilà, plat du pied parfait. Hein, rien à dire. Donc 1-0 à 10 hein, malheureusement pour les Lyonnais. C'est une grosse faute de réveillère sur Aubameyang. Ah, oh, si quand même. L'arbitre a un peu abusé en mettant rouge comme ça. C'est bien jaune, mais pas rouge. Parce que peut-être qu'il est pas franchement sur le ballon. Allez, reste 5 minutes pour les Lyonnais. Pourquoi pas tenir déjà ce maigre résultat pour eux, puisqu'il y a 15-0. Et ils peuvent peut-être égaliser. Oh là 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 là. Gonon qui va frapper. Mais complètement. Encore un mal frappé de terrain. Ah, mais frappe de loin, ça rentre pas. Il y a Ruffier au cache, faut pas oublier. Coad. Oh putain. Nicoletta, Goulam. Allez, fallait dire Goulam. Elle passe. Et pas encore en jeu. Aubameyang. Ah, il est poussé là. Mais le grand pont, la vraie la faute. Oh, le carton rouge encore peut-être. Penalty, non? Penalty et carton jaune. Oh, la grosse faute là. Oh là 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 là. Et qu'est-ce qui t'arrive, Dark Psycho là? Mais c'est quoi ces fautes? Regardez-moi ça, c'est attentat. Hein, Stéphanois ce soir. Eh oui, Stéphanois, peut-être un but. Attention, Aubameyang face à Vercoutre. Il a frappé, but contre-pied parfait. 2-0 pour Saint-Etienne, c'est mérité. Non, c'est mérité, pas absolument pas du temps, la domination de l'année, c'était là. Ah, donc l'arbitre a fait. Il fallait pas faire de faute. Il n'y a pas de faute, parce que. Oh.
Et ça fait 2-0 pour Saint-Etienne. Et attention, avec Gradel qui est tout enjambé. Gradel est passé. Oh, le gros but, la frappe de Gradel. Oh là là là, c'est pas fini. Avec Nicoletta, il est tout enjambé. Oh, je sors du pied droit. Oh, je sais pas d'où, j'en sais rien, je comprends plus rien. Le match est de tout à l'heure. Voilà, c'est parti à 400 mètres. Eh, oui, nous sommes aux Olympiques, incroyable. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps, donc Saint-Etienne 2. Olympique Lyonnais 0. Ah bah égalité. Intercadré. À 83, ouais. Donc un plan de jeu pour les Lyonnais. Hein. Franchement, c'est sorti. Allez, on va sortir la casette. On va passer en défense centrale. Pour équilibrer un peu, parce que derrière ça va pas du tout. C'est Fofana qui va rentrer. Fofana. Ouh là là, quel changement exceptionnel. On va voir si ça va apporter un plus à l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas ce que ça va donner, on espère vous voir une deuxième meilleure mi-temps parce que l'arbitre a un peu gâché le tout. Oh, là c'est Paola qui a signé le chèque hein, aujourd'hui. Ouais, c'est parti donc, attention, ça commence déjà. Eh, Gourcuff face au gardien à la frappe. Ouais, il est trop excentré Gourcuff là. Et c'était Freeze le goal. Hein. La Gomis il a fait un mauvais appel cette fois. Du coup, on peut pas vraiment faire une passe. Attention. Et Sandro. Ouais, Sandro il s'emballe là. Un petit dit avec un petit dit qui a tenté un centre. Il est pas mal ce gars, mais il est un peu faible. Là c'est la panique là. Ouh, la frappe de Gourcuff magnifique de la part de Ruffier. Attention. Et le contre, attention, ça peut faire très mal pour les Stéphanois qui partent en contre. Ouais, pour les Lyonnais plutôt, excusez-moi. Et c'est parti en contre à toutes enjambées, même si ça ralentit un petit peu le jeu, on cherche des solutions. Nicoletta qui est passé. Elle a vu tout seul. À gauche, Goulam. Je t'en passe. Techniquement parfait. La frappe de Koa dans l'arrêt. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce festival Stéphanois. Et un corner donc sous la pression. Ah là 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 là, attention, le bon corner encore de Gradel. Alors finalement, il ne tire pas si mal les corners. Hein. Attention avec Koad. Sans pied droit, la frappe de Koad. Oh là 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 là. Et oui, comme il dit le commentateur, à un millimètre à droite. On va revoir cette frappe. On va revoir cette frappe monumentale. Elle va se contrôler parfait. Il a vu dans un trou de souris. Malheureusement, ça passe juste à côté pour Koad. Vercoute était liquéfié sur cette action. Attention, elle est passée, ah, y'a pas faute, faute. Y'a pas faute. Oh là là, si. J'ai cru au troisième but, et eh ben non. Une petite faute légère. Okay, coûte, alors, hein. On se méfie avec ces passes comme ça, hein. C'est dangereux. Ouais, mais le nez, j'ai dit de piquer un jeu. Mais ben, récupéré par Baratsal. Je sais pas comment il s'appelle. De quoi son nom. Ah là 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 là. Ils ont eu la meilleure défense du championnat de Ligue 1 pour l'instant. Oui, mais là nous sommes dans PES, hein. C'est pas la réalité, mon frère. Hein. Mais, c'est un jeu vidéo, mais là pour l'instant c'est les Stéphanois qui font la loi. Bon, dans ce derby choc. Oula, un peu plus, j'ai fait le fauché. Avec Dabo, l'ancien Stéphanois lui aussi. Dabo toujours. Dabo le centre, c'est dévié. Oh là, oh là là, ça pousse là. Et c'est reparti en contre. Allez, allez, Guillaume là. Oh là là. Ouais, mais bon, il y a Nicoletta qui est toujours encore tout seul. Esselé, côté gauche. Il va peut-être projeter. Centre, la tête. Oh là 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 là. Très belle défense lyonnaise. Il y a le contre là. Il y a Gomis face à trois joueurs. Ah là là là, il passe Gomis, hein, il résiste avec Lissandro. Lissandro qui a frappé. Encore Ruffier, incroyable, quel arrêt. Et quel travail de Gomis au départ d'action. On va la revoir celle-là aussi. La peu extérieur, le crochet magnifique. Et cette frappe côté opposé, mais quel arrêt. Et ouais. La part de Ruffier, un bon corner pour Johan Gourcuff. Le petit cheval, le corner. La tête de Gomis. Qui passe juste à côté, on va la revoir aussi celle-là. Encore une grosse occasion pour Lyon. Qui vont se mordre les doigts après ce match. Eh oui. Fatalement, l'Olympique Lyonnais a plus d'occasions qu'en première mi-temps, déjà là, à 10. Même si son feu est retrouvé à 9, hein, puisque grosse faute de Lovren là sur le penalty. Regardez-moi ça, mais où est ton marquage sur tout le côté gauche? Oh là là, oh là là, j'en ai fait trop là. Je suis parti comme un con là sur le côté. J'ai même pas envie de faire de changement moi, pour l'instant ça restera comme ça. Ah, il me fait reculer Sandro, mais il y a Claire, l'ancien Lyonnais qui fait sa loi, mais qui relance comme un païen, la frappe. Ah, encore qui, encore Ruffier, décidément il est partout ce soir.
Et ouais, Ruffier en état de grâce. On voit ça, quelle erreur là. Quelle grosse frappe de Fofana, il a peut-être la donner à Gomis, mais il trouve un super gardien. Eh oui. Ils sont encore en corner de Gourcuff, il était encore excellemment bien frappé, mais c'est bien engagé. Et Gradel qui repart en contre. Ah, c'est vite joué. Stéphane, vraiment du mal dans cette mi-temps avec la nouvelle tactique lyonnaise. Mise en place, la frappe. Oh, largement à côté. Hein. Ouais, largement à côté, trop croisé de la part de Grenier. On peut dire que Grenier, pour l'instant, il peut un peu retourner dans sa cave. Hein. Ah, j'avoue. Attention. Yavoji, Goulam. Allez, mon Goulam. Tu pars à toutes enjambées, là. Un pied gauche, le centre. Allez, la remise. La reprise retourne acrobatique. Oh, quel arrêt. Ok, arrête de faire coutre le ciseau, on revoit ça. Oui, il a pu tuer le match, mais il y a déjà 2-0, petit. Hein. Regardez-moi ça, cette belle remise de la tête de Kouad, de la retourne acrobatique. Quel arrêt de faire coutre. Eh oui, sensationnel. Et corner encore de Gradel, hein. On ne change pas, une équipe qui gagne. En plus, il est bien tiré. Ouh, attention, Vincent Clerc. Vincent Clerc, je ne sais plus comment il s'appelle. François Clerc, qui va s'enjamber la frappe du pied gauche ou droit, je ne sais plus. Et c'est l'arrêt. C'est la panique dans la défense de Metz, là. Ah bah là, pour l'instant, ça se réveille. Du match. Allez, encore un corner. C'est dangereux. Ouh, attention à Nicoletta. Il va se remettre. Oh, c'était bien joué au deuxième poteau. Ouais, oh putain, Quad qui a fait mettre une chiche. Quad, il s'emballe un peu. Quad qui cherche des solutions. Il a trouvé Nicoletta. Ah là là, Nicoletta qui voulait remettre son côté gauche, puis qui perd ce ballon avec Fofana qui est parti. Ah, mais mauvaise passe à Mouinho. Nicoletta, le crochet. Nicoletta, deux fois. Oh, il a vu dans l'espace d'une souris. Oh là là, 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 belle intervention de Vren. Oui, oui, dans l'espace. Désolé. Oui, je m'exprime bizarrement aujourd'hui. Attention avec Aubameyang. Allez, Aubameyang. Oh là 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 là. Ouais, Lyon joue bien, mais malheureusement, il n'y a pas de solution à apporter. La défense est solide, stéphanoise. Oh là là, par contre, c'est beaucoup de pertes de balles en cette deuxième mi-temps. Lisandro Lopez maintenant. Lisandro Lopez. Hors jeu. Hors jeu, bien sûr que si. De toute façon, elle n'était pas dedans. Ruffy est encore là. Il veillait au grain. Pas beaucoup hors jeu, je pense. Hein. Ah si, hein. Même 15 mètres, on pourrait le dire. Hein. Allez, on relance. Oh là, on va mettre relance. Ouf, ouais. Ouais, quand même, qui passe. Cette relance un peu catastrophique, là, des stéphanois. Ça a pu coûter cher, mais le contre. Ah bah Mayang, allez Nicoletta, allez Nicoletta, il est parti. Ah là là, la fois, il est fauché la tondeuse, à le centre. Ouh. Ah bah là, c'est une relance à la main, au pif. Oh là, attention avec Kouad qui revient en défense. Mais Kouad, du tacle bien, mais quel beau tacle. Ah là, lancer un éclair, qui va l'intercepter, non. Alessandro qui s'emballe là, un jour il fera ça, on s'appellera avec la frappe de Gourcuff. Et l'arrêt encore. C'est Gomis qui ne suit pas, mais oui. Quel match de Ruffier va être certainement noté pas loin de l'homme du match, à mon avis. On a vu, c'est peut-être même l'homme du match avec Nicoletta. Et bah, joué. Hop là, on cherche des solutions, tant bien que mal. Il reste 3 minutes, je crois, 2 minutes même avec les arrêts de jeu. Ça se balade hein, sur le côté gauche, il n'y a pas beaucoup de solutions, on le sent peut-être. Oh là. Son Kouad encore et son pied droit, la frappe de Kouad et l'arrêt encore. Bon, les arrêts sont un peu pareils dans ce jeu. Hein. On va pas se cacher. Et c'est fini sur cette victoire méritée stéphanoise, même si c'était un gros match. Ouais, si, quand même. Et c'est sur là-dessus qu'on va se quitter. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Hein. Ça coûte pas cher, c'est gratuit. Donc voilà, bon ben, bien joué. Hein. Ouais. Et puis à plus, ciao. À plus.